We are pleased to host the second edition of the MadTech meetings. And as you may know, the objective of this day is to raise awareness among PhD students and postdoctoral students about mathematics outside academia. Le public en fait des rencontres MadTech, ce sont des doctorants ou des postdoctorants qui travaillent dans le domaine des mathématiques. Et l'idée, c'est de leur montrer qu'il y a d'autres emplois en maths aujourd'hui dans des grandes entreprises ou dans des startups avec des super jobs en fait qui utilisent les mathématiques. Donc cette journée de rencontre MadTech, j'en attends de pouvoir discuter avec des gens plutôt dans le milieu industriel pour mieux comprendre comment est-ce que des bagages plus théoriques peuvent apporter des solutions à l'industrie. Il faut avoir conscience que les mathématiques qu'on peut faire dans un laboratoire et dans une entreprise ne sont pas exactement de même nature. Mais je crois que les deux environnements, et le laboratoire et la start-up, sont des environnements très stimulants pour des mathématiciens. Ça va être plus facile de s'imaginer faire de la recherche en maths en entreprise dans des domaines où on voit les applications directes assez facilement. C'est-à-dire tout ce qui est résolution d'équations dérivées partielles ou statistiques ou intelligence artificielle. On sait que les entreprises, elles vont avoir une visibilité directe sur ce qu'on va pouvoir en tirer. La FMJH a mis en place le prix Pierre Lamour pour récompenser un travail en mathématiques qui a eu un impact notable sur le monde socio-économique. Et cette année, le prix Pierre Lamour a été décerné à Thibaut Héré, qui est chercheur chez Kairos et qui est également chercheur au Centre Borély.